L'homme sans jour continue à frapper dans le coin des bouquets et un pile policier perdit la vie, surtout dans le cadre d'opération la police t'a mené et dans la zone coin des bouquets, et bien, n'exao atterri dans le Canaan, mesdames et messieurs, c'est ça, y'a oublié, y'a pas fait, un pile monde perdit la vie, tout le monde comme grand monde, en plus divers policiers et puis, y'a famille, et bien, policier, madame Petit, tout le monde ça y'a, passé en babal bandi et sa pire de la neg yo mette di fe et sous divers lot policiers yo touye même gens et neg village de Dieu yo iso a divers lot encore te fait et divers policiers soit nan et village de Dieu nan dou nan dat et 12 mars qui te passé a et bien c'est comme ça l'homme sans jour continue et bien a suivre trace iso la et neg yo pas manger et qui frette même en pile policier déjà perdu la vie, nous parle invite au gain détail. Et puis, gain dossier assassinat président Jovenel Moïse, Jean-Pierre Espérance continue à déshabiller Ariel Henry, qui dans tête pays a comme premier ministre, président en même temps, et puis cap en gérer question. Et donc, assassin ça, vous voyez, comme by Negio, Siri Negio, fait Negio parti pour l'autre pays, et c'est FBI à travers donc aide internationale qui a mis la patte sur Negio. Nous allons inviter au gain détail, vous êtes connecté là pour nous. Concernant le commissaire Ismaï, qui selon l'information, est mort ensemble avec toute madame ni hier, et il y a une petite fille qui recevait une balle, puisque lui était dans la machine, ça également. Pas de parole là, qui lui-même t'a pas cherché, en tout cas, toute dernière information, une façon pour être capable de partager avec Auditoire Caraïbes FM. N'a pas gagné pour nous rejoindre lui, et tout à l'heure pour plus de détails, mais nous apprenons tout gagner plusieurs bandits qui arrêté et ou bien qui mouri dans l'échange coup de zame avec la police hier dans la commune Croix des Bouquets. N'a gagné pour nous retourner sur information ça dans mi-temps journal. Mais entre-temps, une semaine, après arrestation li en République dominicaine, Rodolphe Jarre, selon information yo extradé dans pays États-Unis, c'est journal Miami Herald qui a annoncé ça hier. Rodolphe Jarre doit comparaître jeudi devant la justice américaine. Après, il y a plus de détails avec Luxon Saint-Ville, correspondant permanent depuis États-Unis. Nouvelle la tegeta psychile depuis semaine passée. Sans aucune surprise, Rodolphe Jarre extradé aux États-Unis pour le capable de répondre à une question autorité américaine. Sous demande agence investigation FBI, agent fédéral dans Miami, arrêté homme d'affaires qui dernièrement t'a avoué lycée youn nan moun qui t'a bail l'argent pour complot à fait. S'il y a diverses sources qui proches dossier en République dominicaine, c'est à Rodolphe Jarre qui lui-même mandé pour yo extradé aux États-Unis. Concerné a demandé un avion privé pour mener le Miami. C'est ça même sous ça fait qu'on est. Ancien dealer drogue là que yo connaît tout sous nom Dodof, qui c'est un suspect clé dans l'enquête sur assassinat tragique Jovenel Moïse là, doit faire premier paraître li jeudi ça même devant un tribunal fédéral dans Miami, État Floride. Selon journal Miami Herald, plainte pénale qui inculpe Rodolphe Jarre dans affaire qui lié à complot pour assassiner ancien patron Agri Translan, poco dévoilé jusqu'à présent. Pendant ça, ancien sénateur l'Ouest John Joel Joseph capable vin prochain monde qui sous liste pour extrader sous territoire américain après ancien soldat colombien Mario Antonio Palacios ak dernier cas en date là qui c'est homme d'affaires Rodolphe Jarre. Parallèlement, autorité la police dans Jamaïque lancé une mise en garde dimanche passé à bay tout criminel qui t'ai participé dans assassinat Jovenel Moïse là. Dans une déclaration qui paraît dans un article qui publié lundi passé à un journal Jamaica Observer, commissaire police jamaïcain Anthony Anderson déclaré pays pa yon refuge qui garanti pour nèg kap maon vin caché. Si yon rive rentré en Jamaïque, service renseignement nou a di nou clairement côté yo et puis n'a mette men sou yo. Ces déclarations major général là qui toutefois admettent que commerce illégal zamak drogue là très fréquent entre criminels qui fonctionnent dans deux pays. Depuis l'État Floride aux États-Unis, Luxon Saint-Ville pour Caraïbes FM. Et dans le pays d'Haïti, Luxon, doyen tribunal premier instance, Port-au-Prince Bernard Saint-Ville, il n'a pas accordé juge Gary Aurélien
prorogation li te mandé dans cadre d'enquête la mené sous assassinat président Jovenel Moïse sorti 23 d'août date jugement te recevoir dossier arrivé journée jeudi en doyen estimé si li fait droit demande ça li pas bon pour image justice là pour Koulia Bernard Saint-Ville dit la tendre réaction juge là pour connait qui suite li doit bail acte dossier doyen tribunal civil Port-au-Prince maître Bernard Saint-Ville la micro Magerson Philistin. À ma connaissance, dépôt la somme volontaire. Faut que moi dire, par contre, si c'est mal ou mal interprété ça qui dit, faut que moi dire, hier, moi, te remettre l'huissier José Cadet en ordonnance, qui me dévoyait par le juge Gary Aurélien. Juge Gary Aurélien, Jean Laloy, du 26 juillet 1979, sur l'appel pénal d'île, juge d'instruction, l'a saisi de dossier, il y a un délai de 3 mois, soit 2 mois pour le mener instruction dossier et 1 mois pour le rédiger ordonnance de clôture. Faut que moi dire, non, dans date 23 août 2021, le tribunal première instance de Port-au-Prince là, il était usé de prérogatives que article 97 décret 22 1995 relatif à l'organisation judiciaire Bali pour te confier instruction dossier qui a un rapport avec assassinat président Jovenel Moïse là à juge là. Ça veut dire dans date 23 août m'était par ordonnance m'était désigné juge Gary Aurélien pour l'enquêter sur dossier. Mais comme c'est gouvernement Fokmendou immédiatement te ouais que délai ça a été expiré en puis juge là, la loi d'ici, pendant les délais à expirer, le juge là pas justifié ou état là par une ordonnance. On est assez article 198. Après l'entrée directement dans l'actualité, mesdames, messieurs, mais quand même, gain inquiétude. Et nous avons bon côté Matissan, mesdames, messieurs, et bien en pile en bandit Matissan, pour pas dire grand ravine, mesdames, messieurs, en pile là-dedans, tombé. Pour journée jodia là en pile l'en bandi Matissan yo tombé, ça c'est quand même bonne nouvelle là, mais attention et tout après-midi ça pas fait trop longtemps malheureusement ça nous est qui t'est passé et Matissan mesdames messieurs et bien il repassé exactement dans base 400 Marozo côté que en pile policier tombé là monsieur base 400 Marozo se font ravage là, c'est triste que nous obligé parler de ça, mais en pile policier tombé, mesdames, messieurs. Évidemment, nous allons parler de ça, ça triste nous. Mais nous apprenons au moins si pour nous arrêter dans le cadre. Bonne nouvelle, eh bien, avocat et Jovelin, eh bien, ils ont frappé, ils ont réagi. Mesdames, messieurs, nous allons parler sur ça parce qu'il est important. Puis si vous nous continuons encore dans la question bonne nouvelle, eh bien, il y a quatre kidnappeurs qui jouent arrestation. Définitivement, nous partons là. Regardez, c'est dans la ville là. Lionel, bonjour et Salomon, et bonjour à tout le monde qui connecte avec Chanel Mouna Fé Montivia, c'est un plaisir. Pour notre et la caillou dans le SA, dans la même tradition, et nous allons être nous qui s'est informé de tout ce qui a passé en dans le pays d'Haïti, ainsi que à travers le pays, et l'autre bonjour, et l'autre fois, nous dit bonsoir tout le monde, bonsoir Jimmy, bonjour Lionel, bonjour et Salomon. Oui, nous partons Anderson, et évidemment, bagayou triste, qu'on y en a parlé là, mesdames, messieurs. Question base 400 Marozo qui se font ravage sous plusieurs policiers. Nous excusez-nous, mais c'est vérité. La prêté avec information, Jimmy, nous est depuis et plusieurs jours côté commune et quoi des bouquets, c'est en commune et citoyens qui vivent et la donne à panier. Ça nous capable de grâce à la paix, à la tranquillité, raison et monsieur, c'est méchant, 4 points avec l'amour et sa joue et qui c'est numéro 1. 4 marzo, pas jamais suspendre à frotter une autre dans 4 batailles, y a mené pour capable occuper et territoire et nous et la police lui-même depuis hier. Côté yon fouye boucho et nan douce ça, yon façon pour capable faire la paix et avec tranquillité, retourner dans zone sa ou pour et population kap vive et moun et kap et emprunte route lan et pour yon et fait la sans même yon pas inquiété ou sans pas yon victime dans population et civil lan et jou dia la dans cadre opération policière et qui t'a mené côté te gagne diverses unités dans institution nous te wè agent Udmo, agent Polifron, agent et Simo et pour nous citer et ça seulement qui était dans opération c'est là et qui était commencé depuis hier en dans et cité Doudoun qui est tout près et pont et tabalan côté la police t'a fait un pile arrestation femme et garçon et qui arrêté et nous et parmi monde qui arrêté au bon servante de Dieu et servante n'a dit yon soi-disant servante de Dieu qui t'a joint à arrestation et ça qui nous dit yon soi-disant et servante de Dieu parce que et d'après toute dernière
information et nous gagnons l'état madame Youn chef gang qui a opéré dans zone et cité Doudoune et opération ça qui t'a metté deuil et dans mitan institution et policier là côté classe 14e là et yo même yo t'a touché environ 3 policiers Udmo et t'a perdu la vie dans et commune Croix des Bouquets zone en Babouk après et yo prend et koyo ya lagué ko policiers yo sou yon pile et fatra gen intervention qui est arrivé fait à yon façon et pour prendre ko et policiers sa yo et noue et d'après tout dernier détail et qui rive joine nous et moment et n'a pas les a et mais information ça n'a obligé baili au conditionnel ta semblé bandi et 400 maozo ta mette du feu et sous et cadavre policiers sa yo nous te recommand et ça t'est passé en dans village du Dieu dans date 12 mars qui t'est passé à et après 3 agents Udmo Sayo, il y a un agent et Simo qui sorti dans 22e et promotion institution et policière là tout et qui t'a boué le bouchline, c'est pas seulement ça, nous et monsieur Katama Ozoro qui t'a toujours avec les radio tant que moun et chien et qui gère rage et modé, yo t'a metté fin et dans la vie commissaire Ismaël ensemble avec et madame ni et petit li pendant yo t'es dans machine et n'a pas rappelé commissaire Ismaël et les mêmes l'étape saut derrière madame ni et dans travail li madame ni nous connaît qui c'est un employé mairie et quoi des bouquets alors et nous capable dit et pour et je dis là monsieur Katama Ozoro t'a metté fait et dans la vie pour petit 5 policiers et madame et parmi ces policiers ça au gayon et ancien commissaire qui c'est Ismaël et lui-même qui est à Bouet de Lobouchli tout et Ismaël tout c'est un ancien et candidat et pour poste et sénatorial en de pays et commissaire là qui était accompagné avec madame ni et puis petit li, alors nous capable dit c'est on quoi des bouquets pour moment et n'a pas allé à côté calme et malgré il est déjà fait 11h43 depuis environ midi et c'est en commune circulation lui-même li pas praticable et du tout monde qui t'a fait et monde qui t'a parlé quoi des bouquets qui t'a sorti zone et capu fluvio t'es obligé rete dormi kay proche et ou du moins tes amis yo ta gen nan niveau et capu fluvio et pour et reste et nuit là yo pas des bouquets et qui calme à côté détonation pas suspend et chanter. Nous parlons de monsieur son ancien sénateur et Anderson. Oui, et yon ancien et candidat et yon ancien candidat et Jimmy pour poste et sénatorial commissaire Ismaël Téré et li pas seulement et yon commissaire police mais li c'était yon ancien et candidat et pour poste et sénatorial. Voilà, voilà. Mais et quand même et c'est ça c'est mauvaise nouvelle hein mesdames messieurs j'en nous dis mais gain quand même bonne nouvelle parce que la police est vide en pile tout. Grand pile à l'heure tombé mais et malheureusement nous j'en nous dis qu'il y a plusieurs là qui est mort. Mais on nous avance et fait pas. On a avancé avec l'autre information dans touché dossier et sécurité nous la police nationale et d'Haïti a annoncé à travers yon note et de presse et yon ta mette et de yon et nan matiné et mardi 18 janvier à côté yon fait connait yon ta posé et la patte sous et yon et présumé kidnappé qui se et à l'abri et Jackson et côté à l'abri et Jackson ta arrêté et quelques jours après li ta fin kidnappé yon timoun et qui ta gagné seulement et 5 l'année d'après li de Berlin et sa non et nan date qui était vendredi et 7 janvier 2022 li était environ 8h50 dans la nuit, dans la localité et Bellevue, dans la commune et Port-Salut, département et sud et pays, malgré l'état et cagoulé, yota arrivé identifié par et physio et nomi, selon propos et qui t'a rapporté par et papa et victime, dans voix et suspect, t'es identifié dans le téléphone, dans le moment et l'état négocié avec un ravisseur et qui t'a fixé avec $100,000 américain et demande et rançon lui-même l'état conclu avec environ $10,000 et nous dirait après arrestation à l'abri ailleurs côté la police a fait connait yo plus et que déterminé et y a pas possible avec opération jusqu'à ce que yo mari et tout est suspect et puis libéré et les gens ça qui t'a gagné seulement cinq l'année et toujours et selon noté la police maman et Berlin et sa non t'a souligné que téléphone portable t'a emporté par ravisseur dans cadre enlèvement et puis il n'y pas gagné aucune nouvelle et deux et petit client et c'est ça la police t'a informé nous et n'a fait connait après arrestation à l'abri hier et mardi et 18 janvier et pour journée 19 janvier la police est arrivée procédé avec arrestation quatre autres présumés et kidnappeurs qui t'a participé dans action enlèvement ça dans département sud et pays d'Haïti.
Oui, bon, mesdames, messieurs, moi, il y a plusieurs monde qui a écrit, nous tout à fait gain raison. Et il y a plusieurs monde qui a écrit en bas live là, qui est dans pont souffle, qui est dans suspend avec question kidnapper bandit et qui est monsieur Sayo, qui est gain a bien des opérations pour finir une fois de tout et de plus avec question criminel ça va ça mais faut nous prudent mesdames, messieurs. Faut nous prudent tout autant élection à approcher, tout autant ta supposé gain élection pour nous retirer moun, et bien c'est tout autant nous va attendre à gain kidnapping. Nous avons attendu à l'arrestation. Malheureusement, nous avons attendu à des gens qui vont mourir là. Pour 2022, ça, c'est pour 2022 que côté qui vont être simple. Tout monsieur Sao, nous avons dit folie candidat, ça qui besoin président, ça qui besoin premier ministre. Nous avons tout lourdement armé. Eh bien, c'est ça exactement, mesdames, messieurs. C'est exactement ça. Et nous connaissons, en pile là, nous avons toujours dit là, difficile pour faire élection. Mais oui, il n'est pas facile, mais l'essentiel, payant pas carré comme ça. Payant pas carré comme ça, la preuve. Nous avons tout candidat, bout mami, tout le monde baisse candidat et Anderson. Bagay ça grave, frère. Il y a un phénomène là dans le pays, tout le monde qui folie président. Et bon, nous montrer mon extrait vidéo. Mes amis, dis un mot pour le pays d'Haïti. Assez, c'est assez. Eh bien, après Fritz Jean. Avant dernière question, je n'en ai pas. Est-ce que vous avez information sur un homme qui a arrêté dans le dossier ça qui a attrapé le coronavirus dans la prison? Qui? Allez, plus fort. Non, est-ce que vous avez information sur un homme qui a été arrêté dans le dossier ça qui a attrapé le coronavirus dans la prison actuellement? Qui entre qui bon? Il y a un homme qui est emprisonné dans le dossier assassinat président. Et il y a information qui a été confirmé qu'il est infecté par COVID-19. Ou bien ça comme information? Oui, oui. Je suis collègue qui a travaillé sur ça. Et je pense que tu es allé dans la prison hier. Je ne sais pas si c'est hier ou bien aujourd'hui. Mais nous songeons, il y a un élément qui est important dans le dossier. À Dragon, c'est bon qui peut collaborer avec la police judiciaire dans le dossier ça. Et qui a même degré de responsabilité, qui compte même et qui même degré de responsabilité avec et John Joe et Joseph et Badjo, n'a pas parlé des dragons, eh bien, il mourit dans conditions drôles. Mais vraiment dans conditions drôles okay. En prison. Maintenant, dernière question maintenant, bah, on est non, mais deux passeports, bah, un seul individu, c'est même empreinte, c'est même données biométriques. Comment ça fait possible? Première question. Et deuxième question, et à partir de qui date de délivrer de passeport ça au bail ancien sénateur John Joseph? On connaît ceci avant, mais c'est après l'assassinat du président Moïse. Non, c'est après l'assassinat. Après? Oui, oui, après. Après, dis-moi? Oui, mais monsieur, qui n'a mis quoi? Ma petite pas dit nous bagaille pour nous comprendre. Tout le monde, qui était dans le qui est. Soyez arrêté. Et Palacios d'abord, Palacios, c'est là en Haïti, c'est en octobre qui était pays, oui. John Joe et Joseph était dans le pays, c'est en décembre qu'il a quitté, oui. Badio, jusqu'à fin décembre, il était là, beaucoup qu'on est pour janvier. Et Rudolf Jean, il était là, oui. C'est en janvier qu'il a traversé la République Dominicaine, oui. Qui est-ce que vous avez arrêté? Qui est-ce que vous avez arrêté? C'est quoi la police a cherché? C'est quoi la police a cherché? Non, non. La police est judiciaire de CPJ. Et il mettait à vie des recherches contre eux. Mais, et l'autre bail pour. Et il n'a pas arrêté Mounsayo. Qui est-ce que l'autre bail là? L'autre dit l'autre bail. Depuis dit l'autre, c'est chef qui bail l'autre, monsieur Espérance. Oui, c'est SPN. C'est SPN. Bon, non, c'est SPN. Donc, on se dit que l'autre de la casse de Tibi, on va la donne. Et non. Par exemple, c'est SPN. Il composait. Et c'est le premier ministre qui est président dans CSPN. Oui. Après ça, on a un ministre intérieur, un ministre justice, ou un DGPNH avec inspecteur général en chef de la police. Exact. Et quand il y a là, par exemple, où est-ce qu'il y a déconnecté, il me dit, et base de données aussi des institutions, donc on est, tout ce qu'on est, ça nous dit, ONI, OAVCT, DGI, l'immigration, il y a déconnecté avec DCPJ. Ah, mais c'est l'ordre qui sort dans CSPN. Mais c'est de l'ordre verbal. C'est de l'ordre verbal. Ça veut dire que c'est pas et directeur de CPJ n'a pas qu'à déconnecter, non? Directeur et OAVCT, la police n'a pas qu'à faire pour compter, non? Directeur OAVCT n'a pas fait ça sans pas recevoir une instruction, non? Mais attention, hein? C'est pas déconnecté, il n'y a pas déconnecté bas donné ça et après assassinat, il fait l'avant assassinat et toute disposition prend pour ne pas reconnecter après assassinat. C'est ça que jusqu'à présent, ni moi-même, à l'exception ou de Jacques, nous connaissons comme un homme qui paye
et pour assassinat premier moun yo pran, mais tout le monde qui paye yo nous pou konnen yo. OK, maintenant dernière question là, te gon le m'tande New York Times dit c'était drogue et moun qui te gon président te gon liste non mais li te gon liste mais kounya m'tande kounya gon thèse qui dit c'est politique. C'est quoi le mobile de tout ça? Quel serait le mobile? Moi nous même dans RNDDH nous pas gagnen nous pas gagnen expérience et expertise et pour nous travailler sur question et drogue. Mais c'est ça, je suis capable de dire. Si Jovenel Moïse a une liste dans Meni, je pense que et, si c'est pour drogue, il faut que nous soyons dans la liste là. Tout. Hein? Mes amis, ou... il yeah, faut que nous soyons dans la liste là. Pour qui ça dit ça? Même moi pas. Mais maintenant, magique, écoute, toute nouvelle, c'est pas parce que nous avons demandé justice pour Jovenel Moïse. Et puis, Kounia nous pourrait faire Jovenel Moïse passer pour Salvatier. Nous ne pouvons pas faire ça, nos sociétés. Alors, je parle de moi-même. Et ou bien l'autre monde qui a parlé de Jovenel Moïse. Il y a une raison. Pour qui ça fait nous demander justice pour Jovenel Moïse? Nous, ces partisans état des droits, nous, contre banalisation de la vie monde, même j'en nous demandé pour Montfermeil d'Orval, pour Marie-Antoinette Duclerc, pour Diego Charles, pour Moun qui assassiné dans le quartier défavorisé, etc. Eh bien, et ou pas capable comme si là un président qui a toute sécurité ça y a avec lui et puis il y aurait comme ça tout bagage à planifier et puis pour assassiner lui et puis pour nous tout croiser pour lui pour être nous et nous-mêmes et moi-même non mais ou dit là faut non le temps dans l'histoire son affirmation oui. D'a dit est très grave vous faites là chaque fois qu'a dit ça monsieur Espérance pourquoi non moi dit ça parce que et sous et Jovenel, des mouns qui à côté lui et qui n'en drogue. Et que nous prenons exemple. Yon nan moun qui régle en pile bagaille privé pour Jovenel, nous sommes et citoyen ça, qui est au prend haïtien américain, qui dit vin prani, et là en Haïti. Et là, on prend, là, on peut aller avec lui, ou on présente lui, etc. Et puis après ça, il collabore avec Dié, et puis il est retourné en Haïti avant l'assassinat. On parle de M. Joseph, je ne vais pas faire songer. Oui, je ne pas songer, non. Oui, il est retourné en Haïti. Donc, et Jovenel n'a pas fait un. Et puis, souvent, Dimitri Ra qui s'alte vaut, et bon côté Jovenel, et qui, dans la drogue. Donc, quand il est là, on. Si tu as une liste, moun ki parle de liste là, et si tu as une liste, Mathieu. Si tu as une liste, Jovenel pas capable en liste là, pas un moun ki parle faire et Jovenel passe pour héros, même Jean-Tou. Et n'a dit par exemple un moun tant que Mathieu Moïse n'importe qui une instruction qu'a mené et instruction avec sérénité et comportement dans dossier ça. Yo pas capable pas questionner lui. Pour qui ça? Maintenant. T'es quoi autant d'elle déjà? Non, attendez. De morale, sans coup, nous attendez Jerry Taudieu, nous attendez Evans Paul, nous attendez Georges Michel, nous attendez et en pile l'autre monde en prenant ça, nous même attendez SDP qui croit que le Sénat légitime lui doit jouer un rôle de facilitateur, de rapprocher toute qualité monde qui joue aujourd'hui à les grands pôles politiques qui eux-mêmes a cherché solution à crise depuis quelque temps. Je veux parler de Montana, je veux parler de Penn, je veux parler de des signataires de l'accord du 11 septembre. Eh bien, c'est là pour être à côté de tout le monde, il y a une autre institution tout le même qui vient aujourd'hui et regrouper autour de un ensemble d'accords que aussi bien et autres, etc., qui désigne les mondes. Et bien, c'est là qu'il doit jouer un rôle de catalyseur, il doit jouer un rôle de facilitateur, il doit jouer un rôle de grand, avec père de famille. Il a essayé d'inviter tout le monde. Garder, discuter ensemble avec eux, si vous souhaitez, pour nous capables de vivre
à un modus operandi pour que période qu'a venu, c'est pas des périodes qui émaillées de troubles, de tracas ou de bouleversements. Regardez, vous connaissez pas dans la rencontre là, sénateur Lambert, mais essayez de mettre dans la rencontre là. C'est comme quoi c'est SDP. Si c'est SDP qui t'invite dans la rencontre là, c'est lui qui a fait l'introduction. Lui dit sénateur Lambert, mon cher, en raison de X, Y, Z, mon cher, m'invite là pour nous garder tel bagage pour nous. Qui ça y a dit? Comment y a commencé? Fais-moi sentir que dans la rencontre là. Écoutez, c'est des vieux amis, hein. Oui, parce que on pas trouvé un de sorcier là-dedans. Pour moi, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que ça fait partie de stratégie globale, de stratégie paio. Moi-même, j'ai un comportement pour me gagner par rapport à position nous comme sénateur pour me défendre position femme. Et je ne veux dire pas même besoin d'une situation pour que c'est mon cap qui me manque 3 jours, c'est mon cap qui me manque 4 jours. Je ne suis pas dans une situation pour que ces radios peut faire libre tribune qui pour dire est-ce que je dois aller, est-ce que je ne dois pas aller. Pour être ça, parce que non pays qui a fonctionné normalement, non pays côté institution, la loi respectée, institution diam, institution légitime, solide, etc. Eh bien, tout le monde connaît qui l'a commencé, tout le monde connaît qui l'a fait. Mais on connaît un bagage qui est grave. Ce qui est grave, c'est que je ne vous dis pour que. Je ne sais pas, moi-même, aux États-Unis, pour les gars, dis-moi, Biden doit aller en 2022 ou bien en 2023. Non, il y a un compte qui est pour Biden aller. Il y a un compte qui est pour Macron aller. Il y a un compte qui est là en République dominicaine pour Abinader aller.